27 juin 2020 à 15h24. Un public est en train de regarder un film au cinéma Le Chaplin. Au même moment, des enfants sont en train de courir dans une boutique de fleurs en faire tomber des pots. À côté, Anne homme achète une rose pour sa belle-mère. À 16h38, il y a Fernande. Elle vient faire l'achat d'une couronne de fleurs pour l'enterrement de son amant. 17h42, c'est Monsieur Potiron qui vient acheter des fleurs pour sa femme afin de se faire pardonner de l'avoir trompé avec sa collègue de bureau. Nous avons aussi Monsieur Le Dur à 18h04 qui vient inspecter les lieux pour voir si sont bien conformes à la législation. Et c'est au tour de Juliette à 19h07 qui vient acheter des fleurs pour sa grand-mère qui fête aujourd'hui ses 101 ans. Incroyable, non? Et au comptoir, le vendeur. Il est en train d'emballer le bouquet de roses de Monsieur Potiron. Ce vendeur, c'est Alain. Et voilà, monsieur. Bonne journée. Bonsoir, je ferme, mademoiselle. Excusez-moi. C'est une journée de dingue, alors. Ne prenez pas mal, mais j'ai fermé, là. Je peux juste rentrer? C'est des fleurs comme ça que je voudrais. C'est pour ma grand-mère, c'est son anniversaire demain. Non, désolé, je ne peux rien faire pour vous ce soir. Par contre, demain, ça peut s'arranger. Ah, trop bien. Par contre, est-ce que c'est possible de les faire livrer? Parce que j'ai pas le temps de passer, moi, demain. Demain, c'est dimanche, j'ai pas de livreur le dimanche. Bon. Je vais arranger ça. C'est pour quelle adresse? Merci. Et nos fiançailles? On avait prévenu nos deux familles. On avait fixé la date. Tout était prêt. Je suis vraiment désolée, Alain. Je ne peux pas faire autrement. Et... Tu sais, les études, c'est important. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais toute seule? Elles vont te faire une petite place, tu vas être très bien.
for a place to hang my hat and a welcome on a mat by a little door. Allô Paul, c'est Alain. Je m'excuse pour l'heure et j'ai un achat urgent à faire. Est-ce que je peux passer ce soir ?